Tshisekedi ametoka upande wa mtaa wa Ngaliema kunako Kanchachi huko upande wa Cité de Loya, na hapa kunako uwanja wa Mashahidi vikelekele nimejua upande wa Likasi, upande wa Lubumbashi. Bwana Dede Makoso umepatikana upande wa Likasi, umefata vizuri namna mambo yamepitikana hapa kunako uwanja wa Mashahidi. Watu wamefanya furaha na shangwe kwa kuweza kupika vikelekele mingi kabisa kuona kweli Tshisekedi ametoka kunako Kanchachi. Astrid Okongo utaweza kutufasiria na wewe vile vile. Umeona bwana President Tshisekedi ametoka kunako Kanchachi, Cité de Loya, amepatikana kunako njia, atapita kitambo na kufika kupita Limwala ama Banda na kuingia mtaa wa Kinshasa kunako uwanja wa Chai. Naam, nafikiria kwamba wakongomani wote wako wanatizama kwenye televisheni ya taifa namna gani Rais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenye aliweza kuteuliwa na asilimia 73.5% ataweza kuwapa kiapo chake leo. Ni mara ya kwanza ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sherehe ya namna hii iweze kuongozwa. Anatoka huko upande wa Cité ya Umoja wa Afrika ya Oya, mahali ambako anabaki na iko anakuja njia kwa njia, kuona kwamba wageni wake wamekwisha kuingia wengi na yeye sasa anaanza kuja njiani. Wandugu wapenzi, ni jambo kubwa kabisa yenye kupitikana leo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni jambo kubwa kabisa kwa kuona kwamba raia wote wa Kongo wako wanafuata kabisa hiyo yenye iko napitikana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rachel Geta Kabongo, naona rais anatoka kunako Cité ya Oya iko na kucha kwa kuweza bana bamona Kongo chibiru chine na chitambe walubwa se Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kumbukile mu Cité wa Oya kwenye kumbelu kutuba mwanga tila wendu ulo kakesa kakesa wakubwa ila munu mchipalu cha martir disanka jikini jupu wakibana mamone Kongo bonso mene masari njibwa munu mchipalu cha kintasa mkulisite kalwa shanike mkumilu wa kitambo mudi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sana njibwa katata kantukutuku nikadu mwa mwanayi kumbukile kusama kwa kanchachi kakesa kakesa ekozala wana 21 ku ezapo na komatisa mokondi na biso. Nous allons donc poursuivre notre programme avec l'accueil dans quelques minutes du président de la République. Moussa ni maital mungaliema kasuyi popolan kelenda mpanga wa manangananga ulowa udimuika la wenda ulwa udimuika la munkachi mwajilwa udimunjila munena wa shani metal. Uri mwikala mulo mutangira bakufika mu stade de martyre musaka uri mwima na bantu pamoyi mulo wo mupanga mpanga wa mananga na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jishipa jalunteka didikala nuri ba ditangira mushinduri ditunga jimana nuri mona mona mushinduri chisansa chikwata kujiba bakuni sharikila bwase jishipa jalunteka didimona mushindu wa kunyungusha batoka mitu chepela chepela ntende chepela mafuma tanda kalombi bwatu udini bwenda muchaji jitu ngoda Kongo demokratike njiku wachila kubianza litu kujalelu walu bwase nzevu na jachi bukondo mufu wana wa muna mshindu wakuye nabu jinu shaji kila bwase musesu wa 30 juin urimuika la muku wachila kubianza kuji mtombolo kala jipa dimbeli muchi bianu kapitu bianji kwenze kato kachi kachaba muna mushindu wa kwenza bwase prestation de serment wa mushindu ewu kena mwanji kwela mwa kwenza kato wetu Matie Mudibango ujumwene na muji mwamai wakanyinda umana kubwela mushi yaliboso kode kabundi Repi Demokrati di Congo oezali mayele ewuti de pimelo yalikolo eliko mete mokonja mboka ye wana za koya kasi bomoni ye wapi ko bandana lo bala ya ndaku na ye boko landa ye nzila nzila zali koya boulevard bambota mama bimi baike bako zela bako yamba bako sepela ko yamba boko nza boka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo radio télévision nationale congolaise ezala bino banda ndaku en direct ti awa na likolo paka paka na se
caméra ndenge na ndenge ko pesa bilili ya liboso pour la RDC tala lobala Kinshasa tala lobala Kinshasa boulevard Nadili Toto mata benda bika yekile kaka na RTN RTN C kasi na ba chaîne ya kaka vena kumona mfumo wa insi kukatuka katuka palais du peuple c'est biyai yandikele na boulevard yandikele na yekile mbala ya tete na kumona mfumo wa insi na inzo nandi na maplaza na dizulu kuna na nkoto na intendantila magazila ene mepaka nzila ya magaze baki na kuiza na boulevard malembe malembe na lembe boulevard boulevard sam yakina dei kisika baki kuizila awa yakile diambu ya kuituka etereka mepesa ndinga na mpangi na mono Giscard Kusema. Oui, avant de remettre le micro à Giscard Kusema, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, pour ceux-là qui connaissent Kinshasa, aux alentours de Loupio et Révérend Kim. Là, les cortèges présidentiels, les cortèges du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de se diriger petit à petit vers le stade mythique, le stade de martyrs de la Pentecôte, où de nombreuses personnes, des milliers de gens, merci Gerdia Kiadi qui nous fait revivre l'ambiance et du stade, et également sur le principal chaussée, les principales artères de la ville-province Kinshasa, les cortèges du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec à tête des motards. Là, c'est la vie aérienne. La RTNC a mis les bouchées doubles pour vous retransmettre en temps réel et en direct cet événement justement historique pour la République démocratique du Congo. Nous avons dit la cérémonie d'investiture et des prestations de serment du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se trouve dans cette limousine escortée par des motards. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin et bientôt le cortège va prendre l'avenue de la Révolution qu'on appelle avenue 24 novembre. Là, c'est justement en face de son quartier général, le quartier général de la campagne de Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo sur le boulevard du 30 juin, vers les Sauts des Moutons, pour ceux-là qui connaissent bien la ville de Kinshasa. Et les cortèges avancent inexorablement vers le stade de martyrs de la Pentecôte, où plusieurs autres de marques sont déjà sur place. Gerdia Kiadi qui va nous balancer justement et les images du stade et en même temps cette vue panoramique aérienne de la ville de Kinshasa. Nous nous dirigeons vers les Sauts de Moutons. Voilà, le président de la République est en train de monter justement sur ces Sauts de Moutons qui a été érigé pour faciliter le transport, la circulation des personnes et des biens ici à Kinshasa. C'est vraiment un chef-d'œuvre, l'un des meilleurs Sauts de Moutons qui a été construit ici à Kinshasa, au nombre desquels se trouvent d'autres Sauts de Moutons. Le cortège du chef de l'État, ici ce sont des images réelles, des images prises en temps réel par la technicité des équipes déployées par la haute direction de la Radio-Télévision Nationale Congolaise qui dirige Mme Sylvie Elenge Nyembo. Il y a le PCA, Floribert Louboto, le ministre de Médias, Mouyaya, ainsi que toute l'équipe technique avec toute cette dextérité qui nous offre ces meilleures images, des images des drones, des images hélico et des images aussi qui sont tournées juste devant le cortège présidentiel du chef de l'État Giscard Kusema. On peut dire sous le plan médiatique, c'est un pari gagné. Notre reconnaissance à l'endroit du général-major Ephrem Kabi, c'est lui qui nous a autorisé de monter dans cet hélicoptère avec Eric Katokolo qui nous donne ces belles images d'une vue aérienne du trajet. Et donc nous sommes en direct, c'est des images réelles. Merci donc à la sécurité présidentielle qui nous a permis d'entrer dans ce dispositif. En ce moment, le cortège présidentiel est en train de traverser le centre d'affaires de Kinshasa. Le cortège vient d'entrer donc au niveau du boulevard du 30 juin. Et donc nous allons accompagner le président de la République jusqu'ici au stade de martyrs où nous nous trouvons. Mais pendant que le cortège présidentiel traverse la ville capitale, laissez-moi vous dire que d'autres chefs d'État ont fait leur entrée, comme le président Denis Sassou Nguesso, le président Faustin Archange Touadéra, le président João Lourenço, le président Azali Assoumani, bref,
tels qu'ils avaient été. Alors tous sont ici. Vous voyez le président de la République qui est aujourd'hui dans un cortège exceptionnel. Regardez dans cette... vous allez désormais reconnaître... là, c'est la place royale en plein cœur des Gonds. C'est bel et bien la place royale. Hein. On peut voir le boulevard du 30 juin. Des images que nous propose Eric Katokolo depuis l'hélicoptère de FRDC. La ville de Kinshasa est sous contrôle. La ville de Kinshasa est sous contrôle. Les images réelles sont là. Entre-temps, le fleuve Congo est sous bonne surveillance. Hein. Le fleuve est bien surveillé. Le fleuve Congo est sous bonne surveillance. La ville l'est aussi. Et donc, il y a de l'inquiétude où que vous soyez. Voilà l'image de Kinshasa. Le président de la République, dans cette belle limousine qui a renouvelé en tout cas son cortège, va faire son entrée ici au stade de Martyrs où l'attendent 18 chefs d'État, 45 hauts représentants de délégués de haut niveau qui sont ici. Nous saluons toutes les personnes qui ont pris des initiatives pour permettre à la population de suivre ce qui se passe ici, à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Mention spéciale à José Mungenzi depuis Kingouji, qui a également mis à la disposition de la population un écran géant pour permettre à tout le monde de suivre ce qui se passe ici, au stade des Martyrs à Kinshasa. Voilà, c'est le quartier, voilà. Les quartiers d'affaires de Kinshasa. Là, c'est la place royale. Hein. On voit l'immeuble royal. Donc, on est à quelques 3 km, 3-4 km d'ici, le président de la République qui viendra faire son entrée et donner l'écho de cette cérémonie unique que d'aucuns auraient voulu priver. Et regardez, on allait priver la population d'une telle fête simplement parce que certains ne sont pas encore sortis du traumatisme post-électoral. Ils auraient voulu une cérémonie, une petite cérémonie dans un vestiaire, alors que le président, lui, a voulu associer la population, associer l'Afrique, associer le monde et apprécier tout ce qui s'est passé à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et donc, c'est pas très loin du carrefour Mandela. Kinshasa a immortalisé cet homme. Donc, Kinshasa a immortalisé cet homme, c'est non loin de la place Mandela. Comme je le disais, pendant que les chefs d'État avancent, il y a d'autres chefs d'État qui sont en train de prendre place. Et voilà, donc tous sont ici pour la grande fête Blaise Bokokia. Jusqu'à avant de donner la parole à Blaise, un petit détail. Moi, c'est ce qui m'a fait réfléchir à haute voix, c'est justement cette participation massive des chefs d'État africains. Nous avons vu certaines cérémonies d'investiture ailleurs. C'est un ou deux chefs d'État et ça suffit. Mais pour le cas d'espèce, pour le cas de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vraiment, cette cérémonie d'investiture et de passage de serment draine beaucoup de chefs d'État. Et voilà, là nous sommes sur l'avenue de la Révolution, sur l'avenue 24. C'est un exemple de démocratie en Afrique. C'est des images rares. Hein. Regardez l'Afrique, regardez ce qui s'est passé rien qu'au cours de l'année 2023. Rarement on a vu ce genre d'images que veut montrer au monde. C'est ce genre d'image que l'Afrique veut montrer au monde. Et c'est ce genre d'image que la République démocratique du Congo va désormais montrer au monde. Là, nous sommes en plein hélicoptère. Hein. Voilà. Nos équipes sont dedans et nous proposent ces belles images pour suivre le cortège présidentiel. Et donc, le président Sassou Nguesso de la République et du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le fleuve est tranquille. Hein. Le fleuve est tranquille. Le président est ici. La ville est tranquille, les deux rives sont tranquilles, le fleuve est tranquille. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, le Congo-Brazzaville représenté au sommet. Voilà le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Blaise Bokokia, qui esquisse un sourire à chaque fois qu'il voit le président Denis Sassou Nguesso. Vous avez compris mon regard. Blaise, je ne peux pas vous priver de ce moment. Merci beaucoup Giscard Koussema, très, très très cher téléspectateurs. Ce que nous vivons aujourd'hui dans cette ville et dans ce pays, c'est la résultante de tout ce que Félix Tshisekedi Tshilombo a semé. Aussitôt, au lendemain de sa prise de pouvoir, il a dédié ce pays entre les mains de Dieu. C'est un symbole important. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme disent les Écritures, c'est
l'enfant, le fils de la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inédit. Depuis que nous sommes nés dans ce pays, depuis que nous existons, depuis que nous vivons dans cette ville, c'est la première fois. Laissez-moi vous dire que c'est la toute première fois de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Avec une diplomatie de couloir, avec une diplomatie ad hoc, les deux diplomaties ne se contredisent pas. Et ces deux diplomaties, voilà ce que ça donne aujourd'hui comme résultat. Voilà. Et ce n'est pas Jessica Bassella qui peut me contredire. Nous vivons des moments pathétiques, des moments historiques. Jamais dans l'histoire de ce pays on a vécu ça. Le cortège du président de la République qui sort de sa résidence avec une vue panoramique aérienne. Le cortège au sol sur la surface. L'RTNC vous propose toutes les images simultanément, comme nous disait le professeur Matumweni au travers de son cours de RTV en première, en deuxième licence. Deux cérémonies simultanées au même moment. C'est du cinéma ça. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est du réel, c'est de la réalité. Merci. Merci à tous les téléspectateurs qui nous soutiennent, pour ce travail que nous abattons. Nous prenons ça à bras le corps et nous allons continuer à le faire pour ne pas vous décevoir. Merci à toute l'équipe technique qui fait ce genre de travail. Robert Nzouzi à la réalisation, Jérdi Akadi à la réalisation, René Nguango à la réalisation et tout le monde. Merci aussi à la presse présidentielle qui a concocté ce scénario. Qui a réussi. Regardez, on a les images du chef de l'État sur la surface en train de venir. On a les images du stade des martyrs, à l'instar de l'arrivée de Sassou Nguesso, et qui est le président du Congo Brazza, et qui a une population estimée à plus de 4 millions d'habitants. Brazzaville, c'est la capitale. Le Congo Brazza a accédé à sa souveraineté nationale et internationale le 15 août 1960, quelques deux mois seulement après la République démocratique du Congo. Regardez très chers téléspectateurs, nous sommes ici au niveau du 24 novembre, et avenue de la Libération. Bientôt, le garant de la nation, le président de la République, quelque part, c'est la radio-télévision nationale congolaise qui est là. Regardez cette vue aérienne qui nous emporte dans un monde. À la hauteur de la RTNC. Avec le saut de mouton. À quelques 800 mètres seulement d'ici. Alors nous voulons prévenir ceux qui nous suivent que vous allez voir, les dispositifs vont changer. Le chef de l'État n'entrera pas ici dans cette même configuration. Il y a beaucoup de surprises. On a dit que c'est une journée exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Ces cortèges vont changer. Et donc vous allez voir qu'il n'entrera pas ici avec le même dispositif. Donc le chef de l'État va changer et donc je m'abstiens de le dire. Mais comme la RTNC a déployé des moyens aériens et des moyens pédestres. Regardez Giscard, regardez cette foule, regardez cette masse en train de saluer le président de la République du jamais vécu, du jamais connu dans ce pays. Regardez, ils viennent même de changer. Vous avez vu que ils ont pris le milieu simplement parce que la voix est envahie par cette population qui salue son président, malgré tous les dispositifs militaires, mais la population est là, veut communier en ce moment. Nous avons dit qu'à 500 mètres d'ici, vous allez voir la nouvelle configuration parce qu'il n'entrera pas ici avec ses véhicules présidentiels, il va prendre le véhicule des commandements en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il prendra le véhicule des commandements et il va faire son entrée ici au stade des martyrs où nous nous trouvons. Mais ce qui importe, c'est cette communion avec la population. Kinshasa est tranquille et le fleuve est sous bonne surveillance. C'est ça qui importe. Le fleuve est sous bonne surveillance et Kinshasa est tranquille. Voilà, Blaise Bokokia, le chef de l'État qui reçoit les ovations de la population qui s'est amassée spontanément. Il n'y a pas eu de mobilisation. La population est venue spontanément pour ovationner son chef, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a depuis 6 heures, les uns sont venus depuis 5 heures. Il a baissé. Vous avez vu le cortège présidentiel, le chef de l'État a baissé ses vitres parce qu'il veut saluer, il veut communier avec cette population. Les connaissants. Il a encore le courage, il a encore les réflexes de campagne. Il est même prêt à descendre du véhicule et marcher à pied avec cette population
parce qu'il a fait pendant 30 jours à Kinshasa et ailleurs, 53 villes au total, en communion avec sa population. C'est pratiquement dans 2-3 minutes, le cortège du président de la République va arriver ici au stade de martyrs de la Pentecôte. Nous sommes aux encablures de l'église du centenaire protestant. Nous disons merci à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et le pays. Grâce à la magie de la technologie, à la magie de la RTNC, nous sommes suivis dans les réseaux sociaux, YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes dans tous les réseaux sociaux. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà, c'est tout un long cortège, ça c'est la sécurité. Là, c'est un autre dispositif qui se trouve sur l'avenue de Libération, il y a un autre dispositif. Et donc, il y a tous les moyens qui ont été déployés pour permettre à la population de voir ce qui se passe de plus près. Voilà, ça c'est une vie aérienne qui nous plonge justement sur le boulevard Triomphal. Le boulevard Triomphal, c'est à quelques mètres. Ça, c'est le PNMLS, l'essai du PNMLS. Voilà. Le cortège est en train de bifurquer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un autre dispositif qui va se faire à partir de cet instant. Donc, le président de la République va marquer un moment d'arrêt au niveau du Palais du Peuple. Regardez bien, je crois que le réalisateur peut nous remettre ici au Stade des Martyrs, au Stade des Martyrs, et nous reviendrons pour continuer avec le cortège présidentiel. Ali Mbilo, J.R. Diakiadi, je pense que c'est le moment pour vous, voilà, de nous retourner ici au Stade des Martyrs pour voir cette ambiance et nous reviendrons sur le cortège présidentiel. Il est temps de changer de décor, retour ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Là, c'est la vie aérienne prise à partir justement de l'hélicoptère. Nous avons des équipes qui sont dans l'hélicoptère en train de nous faire ces images. Le chef de l'État, il y aura changement de décor, peut-être même changement de moyens de locomotion à partir du palais du peuple où le chef de l'État va faire escale. Après cette escale, les cortèges présidentiels vont nous rejoindre ici au stade de martyrs de la Pentecôte, un stade archi-comble, plein, c'est depuis 5 heures, voire 4 heures que ce stade a ouvert ses portes au public. La population est là, en train d'attendre son chef, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est une joie immense de vivre en live cette cérémonie d'investiture et de prestation de serment du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, drapelé à main. La population est en train d'attendre son chef, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, c'est l'hélicoptère dans lequel se trouvent nos reporters qui sont en train de nous prendre des vidéos que nous sommes en train de vous balancer. Les hélicos Oscar Mbalkaïge et Fonseca.